Force Bench. On passe la speed, du coup il peut plus cast avec moi, je suis un peu solo. Gotrak, Régiman, à la rescousse. Bonsoir, votre co-animateur préféré, ici en tant que bouche-trou. Comment ça va, Jérém? Oh, ça va, écoute. Ça va bien? Tu vis bien ce petit tournoi PS4? Bah oui, après... déjà bon, c'est pas, on va pas se mentir, il y a déjà peut-être un petit peu plus de niveau qu'hier. Mais bon, je suis quand même curieux de voir comment vont se passer ces petites phases finales, quoi. Ouais, bah ça sera à voir demain à 17h, ne zappez pas des phases finales. Avec déjà deux joueurs qualifiés. Si vous me connaissez, je vais les zapper moi-même. Diane et Chocolat. Ouais, c'est ça. Qui affronteront les deux joueurs de PS4. C'était Pierre Chat tout à l'heure qui avait envoyé un message, je sais plus si c'était à moi ou quelqu'un. Il avait vu Diane justement. C'était Diane de la LAN, parce que justement Diane était déjà venue à une de nos LAN. Mm-hmm. Et voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, Delta qui, on va dire indirectement, est déjà venu à nos LAN. Ouf, par contre, comment ça indirectement? Bah, en fait, on utilisait constamment ses comptes pour organiser nos LAN PS4. Ok, d'accord. Voilà, on squattait son compte parce qu'il avait full perso. Puis voilà. Ok. C'est tout. Fin de l'histoire. Hein. Là, je suis en train de éteindre un peu le match. Par contre, c'était le Baraza qui avait fait un bon edgeguard juste avant. Match qui a. Comment? Que Black Knight pour lui. C'est vachement lui, Black Knight est pur. Commenté. Alfie, de toute façon, au niveau des phases finales, il n'y a que 4 joueurs qui font les phases finales. Il n'y a que 4 joueurs qui vont jouer demain. Les deux meilleurs joueurs Xbox qui sont Chocolat et Diane. Et les deux meilleurs joueurs PS4 qui seront à définir à l'issue de ce tournoi. Sachant que le combo breaker commence assez tôt, du coup, en vrai, ça peut... Déjà, premièrement, ça va pas durer trop longtemps, et en plus de ça, ça va commencer après le combo breaker. Parce que le problème, c'est qu'on n'avait pas du tout prévu ça, étant donné que le combo breaker, ben, ça a été annoncé assez récemment, et ce tournoi-là, on l'avait préparé depuis un mois et demi, au moins. Du coup, on n'avait pas trop vu le truc venir, quoi. Pour l'instant, Baraza qui essaye de remonter, mais qui a pour, par contre une toute petite stock en rouge. Franchement, une SIG. Tu coupes un peu, je crois, mon cher Gérald. Ouais, c'est possible. Ah, bah voilà. La serre qui a fini la game. Delight SR quasi trou. On est parti pour le deuxième match qui oppose Army First French. Army quoi? Non, c'est Black Knight Army First French en effet. Ouais, Army First French contre Black Knight. Le deuxième round. Du coup, le premier a été pris par Black Knight, c'est ça? Ouais. Et là, on voit quand même. D'ailleurs, Black Knight que j'ai aidé à trouver une structure dans le cadre du projet pour la French Teams aussi. Il est passé chez Hades Esports. Je vais voir si je peux lâcher un lien dans le chat éventuellement pour que vous puissiez aller faire un tour. Mais Black Knight en tout cas qui gère extrêmement bien son petit marteau là.
Ouais. Il a clairement zéro to death, presque. Il a clairement zéro to death. First French Army. Alors, tout à l'heure. Hades Esports, voilà, j'ai le lien. Ceux qui sont éventuellement intéressés par cette structure, voir ce que ça donne, etc. Là, en tout cas, je vais faire une annonce éventuelle. Je vais faire une annonce plus tard pour présenter un peu tout le résultat du projet Brawlhalla French Teams. En tout cas, le fait est qu'on a permis à l'origine, début 2020, on n'était qu'à une structure qui était Orcs Grand Poitiers, qui est d'ailleurs arrivée fin 2019 avec moi et bien sûr toute l'équipe Zapapi soit ATM. Et ensuite, là, dans le cadre Brawlhalla French Teams, on est passé de une à 10 structures. Donc, structures, je vais vous présenter très prochainement et qui vont arriver avec notre site web. On aura créé un index pour que vous puissiez soit les contacter pour vous faire intégrer ou alors qu'on puisse vous aider pour trouver de nouvelles. Par contre, là, on va quasiment assister à un tristock, hein, si... Ouais, là... Enfin, faut dire bon, que Black Knight, il est... Il fait aucune erreur, aucun mouvement superflu. Là, c'est clairement une explosion totale de la part de son... Ah, ça sera pas un tristock. Non, ce sera pas un tristock. Ah, la petite tonne pompe, là. Oh, eh ben... Ça va le finir sûrement, le Narmed. Peut-être chercher l'arme à droite, non, oui, ça va finir non. Juste. Ah, quoique. S'il veut vraiment le finir à la serre une arme, y'a plus de respect là. C'est trop bien de finir les gens une arme. Ouais, non, mais finir une arme c'est bien, mais faire que des SR comme ça, c'est. Je trouve ça assez. Ouais, voilà. Ça finit sur un petit poirier. Après, c'est vrai que là, pour ce que j'ai vu, j'ai l'impression que Black Knight est un jeu hyper